Ce résumé vous est présenté par FedEx. Et takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League. Que du côté de Mircea Lucescu, on a quand même dressé un double voire triple rideau là. On coulisse bien, mais on part bien malgré tout. Regardez hein, comme Rafa Silva, le voilà d'ailleurs, a trouvé les intervalles, c'est superbement bien joué là. Et la frappe maintenant, elle doit partir et elle part bien. Oh fofo, quel but de Gilberto! Mais franchement, ce qui déstabilise complètement le Dynamo Kiev, c'est cette course entre les lignes de Rafa Silva qui sent toucher le ballon, déséquilibre complètement le système défensif de Mircea Lucescu. En attendant, ce but est merveilleux, magnifique, très joli, pas volé cela dit, au vu des 10 premières minutes de la rencontre. C'est dur pour Kiev. Bref, voilà qui va nous lancer cette rencontre avec la réaction immédiate des Ukrainiens. Elle est bonne ça, avec Bujalski, le ballon, il est pas mal. La reprise, impossible. Bujalski encore, non. Très très bien joué Gilberto là. Tout l'espace. Faut bien réfléchir et jouer juste. Oh, le contrôle de Silva, s'il vous plaît. Et ce ballon, ça c'était quasiment un mouvement d'entraînement, ça. Ça passe. Ça passe, c'est bien joué, ça. Est-ce que le capitaine peut montrer l'exemple? 1, 2, 3. Ouf, c'est pas passé loin, ça. C'est pas passé loin non plus, ce boulet de canon de Viktor Tsigankov. Oulala, quelle erreur. S'il la donne bien, il la donne bien. Oui, mais enfin, dans ces cas-là, il ne faut pas venir se plaindre après. Hein. Gonçalo Ramos, ils étaient à deux à vouloir déballer le cadeau offert par le Dynamo Kiev et qui encaisse un but comme cela au plus mauvais moment. 0-2, est-ce qu'on peut dire que c'est terminé? Sans doute pas. Oh là, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Oh, c'était risqué, terriblement audacieux. Mais s'il réussit ce petit coup d'extérieur, Neres, là, il rentre dans la légende des buts exceptionnels de Benfica en Ligue des Champions. Il y a une possibilité intéressante avec la bonne sortie de Vakodimos. Superbement bien joué devant Karavaev. La voilà sans doute la plus belle occasion. Alors, est-ce qu'il ne pouvait pas frapper un petit peu plus tôt? Ouh, elle est lourde celle-là. Paire de balles de bas. Alors, la voilà peut-être l'erreur de Benfica. Ouf, Vlakodimos. Pourtant, un ballon dévié, c'est pas les ballons les plus simples. Hein. Elle est une belle envolée, il a une belle envergure aussi là quand il s'élance comme ça dans les airs, Vlakodimos.
contrôle compliqué là. Et Florentino Luis, voilà, 83e minute, il perd un duel. Oula, et l'erreur. Et on parvient à récupérer ce ballon et à se jeter. Magnifique, Otamendi. Ce résumé vous a été présenté par FedEx. Et takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League.